Bonjour tout le monde, donc on se retrouve dans Resident Evil 1, dans l'épisode 6. Puis dans l'épisode précédent, ce qui s'était passé, c'est que, pour faire plus simple, il y avait un traître parmi nous, et c'est possiblement peut-être Barry. Puis aussi, pour faire plus simple, je vous dirais... C'était quoi l'autre chose que je devais parler? Attendez, je l'ai. Attendez. Ah, fuck that, je ne me rappelle plus. Ah oui, on avait mis les 4 disques mots, ou plutôt les 3 disques mots, puis cela nous permettra d'ouvrir une porte que plus tard, cela nous servira beaucoup. On arrive à la fin du jeu. J'espère qu'on va pas mourir jusqu'à maintenant, parce que là, si je meurs durant cet épisode-là, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ben je dis pas que ça va servir à rien. Oh chiche. Seulement, comme je disais, ben mon objectif c'était de pas mourir. Donc là, si je venais à mourir, ce serait vraiment stupide. Oh my god. Fils de pipe. Oh my god. Ok. Non, j'ai pas eu besoin de prendre de l'alcool. Ok. Bon, allons remplir cette petite capsule de bobine. Mettons de l'essence. Allez. Oh, on va l'ouvrir, évidemment. C'est sûrement un appareil de ravitaillement en carburant. Mettre la capsule en place, évidemment. Vous avez obtenu capsule de carburant. Ce carburant est principalement composé de nitroglycérine. Le fait de courir pourrait provoquer une explosion mortelle. Vous avez entendu? Non. Il faut pas que je cours. Ils ont dit le fait de courir, mais est-ce que si je tire sur un ennemi, ça compte aussi? Parce que l'ennemi m'a juste griffé, puis j'ai... Oh fuck, faut que je me dépêche vite. Donc ouais, en fait... Qu'est-ce que je raconte moi aussi? Je suis en train de délirer, excusez-moi. Vache. Ils ont pas pris un bon sang pour faire ça, je trouve. Manque de possibilité chargée. Peut-être qu'ils en avaient marre d'entendre des... Ils en préfèrent mieux un sang plus doux. Enfin, que je me dépasse vite. Tout ça m'inquiète à chaque fois que je viens ici. Oh my god! Non! Yes! En passant, je pense que je vais changer les commandes du jeu. Je vais remettre comme ça, voilà. Car au moins maintenant je peux courir facilement. Vite! Shh.
Oh my god. Pourquoi ces monstres font exprès de me faire peur à ce point-là? Genre, il faut toujours qu'ils sortent en plus quand j'arrive près de la porte. Oh shit. Évidemment, on le remet en marche. Ah, je déteste ces monstres. Bon, on arrive vraiment au terme du jeu. Surtout avec l'ascenseur et tout ça. Mais avant de pouvoir monter dans l'ascenseur, il faut prendre nos meilleures armes. Bah, une de nos meilleures armes en tout cas. Pour l'instant, j'ai pas vraiment les meilleures armes en question. Mais j'ai. Qu'est-ce que je raconte? Ah, je suis en train de capoter moi aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait... Je prends avec le pistolet, comme ça, ça va. Comme ça, ça va pas gaspiller. Comme ça, au moins, les balles auraient servi à quelque chose. Puis pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que... On arrive vraiment à la fin du jeu, puis... Je sais que, tous ces balles-là... Oh. Ok, je vais finir mes phrases, s'il vous plaît. Je suis fatigué. Ok, pour faire plus simple... En fait, il faudrait que j'affronte le tyran deux fois. Donc, la première fois, j'ai pas besoin des meilleures balles pour l'affronter. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser ces balles. Ah, oh, j'en dis pas de dire le punch, je suis désolé. Jill! Même si c'est pas Mary, un petit gros punch, ça va. At least waited up for me, you know? Let's go. Ah. Comment il peut oser dire ça alors que ce connard m'a même pas attendu? Tu m'as même pas attendu, espèce de fils de pipe. Puis tu oses me dire ça? The self-destruction have been activated. All personnel have to evacuate immediately. N'importe. On arrive maintenant. Je parle plus. Au terme du jeu. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seem to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning?
I guess it's time for show and tell. Oh my god. Vous rappelez de ce monstre-là? Il était dans le zéro. Et croyez-moi, le zéro, dans le zéro, il était pas aussi fort. Là, il est quand même, j'irais deux fois plus fort. Deux ou trois fois. Non, deux fois, j'exagère. It's magnificent. For the sake of this thing. Exactement. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me? No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Oh-oh. Ben, ça, on se doutait, là, de ce qui allait se passer. Damn it! Jill and Barry, together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. Pour vous dire toute la vérité, je pense que vous doutez que... You viral cultured freak! Ok, il faut vraiment faire attention. Oh my god. Ah ben vous pouvez lire tout ça là. William Birkin. Comment faire attention avec... Oh shit. Qu'est-ce que je disais? Faut vraiment que je fasse attention avec celui-là. C'est pas avec des simples petites balles que j'ai réussi à le tuer. Ouais. De vrai là, faut vraiment que je fasse attention. Et oui, c'est rien pour de vrai. Il est en train de se foutre de ma gueule en ce moment. J'ai plein d'herbes même si s'il m'attaquait. Ça y est. J'ai même pas encore utilisé mes balles de shotgun. Yo, c'est que t'es fucking faible. Ah, peu importe. Y'a rien à dire. Allez, vas-y, réveille-toi, Barry. 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 You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. Évidemment, c'est pas mort. Let's just get out of here. Vous l'avez vu, Wesker, dans le Resident Evil. En fait, si vous avez regardé, vous avez joué au jeu là. Vous l'avez vu dans le 5. Puis vous avez vu, je pense, dans d'autres jeux. Donc, non, il est pas mort, Wesker. D'ailleurs, c'est l'un des plus grands ennemis de Resident Evil. Bon. Je pense qu'on peut dégager de cet endroit le plus vite possible. Avant que ce connard se réveille. Dr. Stuxy
system has been activated. All personnel have to evacuate immediately. Wesker must have set it off. Let's hurry! The self-destruction has been activated. Allons rejoindre enfin la personne en question. Là. Il faut pas oublier nos trois disques mots. On avait dit qu'on devait les prendre. Non, ça je vais me préparer pour la bataille finale. Voilà. Il reste pas grand chose à combattre. Je vous jure, je m'attendais pas à ça. Oh my god. Il m'a tellement surpris. Oh lol. Ça m'a juste fait. Ok. Oui, évidemment. Allez. Bon. On va voir qu'est-ce qui se passait depuis tout ce temps-là, pourquoi je vous disais qu'on devait récupérer les disques mots. Je pense que vous en doutez de quoi je parle. Vous allez voir tout de suite c'est quoi. Jill. Chris, you're okay. Glad to see you are too. Anything on Wesker? We'll talk later. First, let's get going. Vous voyez? Chris était là, il était emprisonné. Et bien c'est moi qui l'a libéré. Il fallait le libérer justement. Si on le libérait pas, ben il allait mourir dans ce trou perdu. Mais c'était pas prévu qu'il meure de toute façon parce qu'il était là dans le 5. Dans le 5? Ouais, c'est dans le 5. Donc techniquement il était censé survivre. Ça dépendait des choix que vous faisiez. Oh, si t'aurais pas pu m'attendre. Je t'ai quand même libéré là. Oh my god. Regardez tout ça. Oh, le fils de... Oh, wow. Non, mais ça va pas. Yo, j'ai cru que j'allais mourir pour de vrai. Putain, merde. Ils ont vraiment attendu le moment final pour me faire chier. Oh, les fils de pipe. Peu importe. Ah, l'important, c'est que j'ai réussi à sauver. C'est tout. Bon. Prenons nos meilleures armes.
Eh oui, j'ai pas gardé tout ça pour rien là. J'ai tous ces armes. Puis je vais prendre mes... je dois prendre une herbe en attendant. Je vais prendre ça aussi. Voilà. Et il faut pas oublier aussi les balles de magnum. 18. Là, je suis dans le business. Je prends ça au cas où, là, si je me fais... on met comme ça, voilà. Il faut que je laisse une case parce que j'ai pas le choix. Voilà, là on est prêt. Oh, c'est sûr, je veux casser sa gueule. Come on, hurry! Eh, pourquoi vous êtes derrière? Vous m'avez même pas attendu. Ça, c'est pas ça. Oh non. Je vais le laisser ici. J'ai pas réellement besoin. Espèce de connard de Brad là, toi tu nous as même pas attendu quand c'était le moment pour... Bah tu sais de quoi je parle là, vous savez de quoi je parle, ce connard nous a même pas attendu. Ah, c'est là, ok. C'est tellement con de mettre un unité de fusible à terre, ils l'ont fait exprès pour que je mette pas trop de trucs dans mon inventaire. Mais c'est ça sur moi. 3 minutes to detonation. Damn it! We're almost there! Jill, you just hit in contact with Brad! No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Son moment de gloire, lol. C'est vrai, en même temps que t'as rien foutu durant toute la série, là. T'es resté dans une cage pendant tout le moment. Bon. Préparons-nous pour la fin du jeu. Qu'est-ce que je devrais utiliser, les grenades ou le magnum avant? Je sais même pas. Techniquement, je sais même pas qu'est-ce qui est plus fort, le magnum ou les grenades. Jill! You made it! Grenade, magnum, je sais pas. J'ai tellement de balles, mais... Oh wow. Je vais utiliser un peu des deux pour le plaisir. Parce que je sais que tout ce que j'ai là, ça va être un peu de trop. Oh! Je m'en doutais qu'il allait faire ça, le connard. Ok, déjà mes balles finies, waouh! Ok, il passe aussi. C'est juste ça que t'as? Ok, par contre, il faudrait pas que je le saisisse. C'est tout? Jill, use it! Kill it, whatever it is! Oh my god! Ah.
même pas eu le temps d'utiliser quoi que ce soit, c'est n'importe quoi. Oh, come on. Je suis un peu déçu de la... Non, je suis déçu de la fin. Yo, j'avais tous ces balles-là, j'ai même pas utilisé une seule... Ben, j'ai utilisé 3 grenades durant tout le jeu, c'est tout. J'ai même pas eu besoin d'utiliser toutes mes grenades à part ça. Puis pour ce qui est du magnum, j'en ai encore. Come on. Comment ça peut durer? La prochaine fois, je fais un mode hard. Enfin, c'est une prochaine fois, évidemment. Par contre, la qualité, vous faites pitié, là, franchement. Vous auriez pu changer un peu avec toutes ces années qui se sont déroulées. Mais comment, on est en 2019. Oh! Si le reste est correct, mais à part ça, ouh. Bon, on s'en fout là. On peut pas skip ça. Bon. Jill, you did a fine job. Oh fuck, j'ai pas fait en moins de 5 heures. Fais chier. J'aurais pu faire en moins de 5 heures si j'avais pas pris des balles inutiles. Bref, j'ai quand même fait... C'est quand même une bonne note pour quelqu'un qui a soi-disant joué pour la première fois, même si c'est pas vrai. Bon. Qu'est-ce que je pourrais dire dans tout ça? Ouais. Donc, je pense que ça va être tout pour... ouais, je m'en fiche des costumes. Je pense que ça va être tout, en fait, pour Resident Evil 1. Donc, si vous avez aimé l'épisode et même la série des jeux que j'ai fait, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner. Donc, je vous dis au revoir et à Resident Evil 2!